Good morgen, allez, Iden et tu seras aujourd'hui les Louinishmat Richard Ben Fortune Mazal, Claude Israq Ben Fortune Mazal et Rosette Bat Sultana et Marlouf. Si vous souhaitez vous aussi déduire une prochaine étude du Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions Maseret Souka, Perigdalet, Mishnah Vav. Que Maseu Bechol, Kach Maseu Bechabat, et là, Shayu Malakhtin Otan, mais Erev Shabbat, Manichin Otan, Begigiot Shel Zav, Kideshalo Ich Moshu. Rabbi Yochanan Ben Broka Omer, חריות של דקל היו מביאים וחובטים אותן בקרקע בצידי המזבח ואותו היום נקרא יום חיבוט חריות. On continue à parler de la mitzvah de la Arava, ce qu'on avait découvert dans la Mishnah précédente. Je rappelle le principe. Il y a une mitzvah spéciale, un usage qu'il y avait à l'époque du Beth Amikdash, une halakha de Moshe Sinaï, de faire ce qu'on appelle la Arava. Donc, de manière générale, la sole, on apportait des très grandes branches de sol, et on recouvrait le misbéach, on les mettait, c'était des branches qui faisaient 5 mètres de haut à peu près, on les mettait sur le misbéach, elles montaient, et elles recouvraient comme ça le misbéach, et selon les avis, soit on faisait, après, les kohanim prenaient la harav elle-même, ils faisaient le tour du misbéach, ils la remettaient dessus, soit c'est un avis, soit plutôt ils faisaient le tour avec le lulav, entre parenthèses aussi, il y a le Rambam qui rapporte qu'il y avait les avis de prendre la rava et de frapper le parterre, comme c'est l'usage aujourd'hui de faire, justement, quand on fait la mesa de la rava, en rapide, rapide, velo barir. Le Rambam y rapporte, et ça va être déduit de la fin de notre Mishnah, comme vous le verrez ensuite. Ça, c'est la mesa de la rava. On avait appris dans la Mishnah précédente le rituel d'aller l'accueillir à Motsa, et après, on l'a commencé à la rapporter. La Mishnah m'enseigne à présent, Kema Seu Bechol, Kach Ma Seu Bechabat. Comme il impose l'usage en jour de semaine, en jour profane, car Maseu Beshabbat, ainsi, il faudra le réaliser aussi pour le Shabbat, c'est-à-dire le Shabbat aussi, il fallait faire la mitzvah de la Arava, lorsque le jour de la Arava tombait le 7e jour à Shabbat, uniquement. Comme ce qu'on avait appris, il y a 7 jours de Sukkot, avant Shmini Atzeret. Et si le jour où, si à Shabbat qui va tomber le 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e jour, eh bien, on n'accomplira pas la mitzvah de la Arava de ce jour-là, de peur qu'on s'attrape à la transporter dans le jeu de Rabim. Mais si ça tombe le 7e jour, puisque c'est un jour très important pour la Arava, Rabim, on dit que cette fois-ci, on laissera enfin quand même la mitzvah de la Arava, afin de montrer l'importance de cette mitzvah, de la mitzvah de la Arava. C'est une halakha de Moshe Sinaï, et la Mishnah me dit que le Shabbat aussi, il faudra accomplir cette mitzvah, lorsque le Shabbat va tomber le 7e jour de Sukkot, mais quoi ? Avec une différence, on ne pourra pas les cueillir, à Shabbat c'est interdit de cueillir. Même si c'est pour un besoin de mitzvah, on peut se débrouiller avant, donc on n'a plus le droit de repousser le Shabbat pour le faire. Et là, Shayu Malakhti Notan, mais Erev Shabbat. Dans ce cas-là, il fallait aller l'accueillir là, à Rava. Depuis la veille de Shabbat, on partait le vendredi après-midi, on l'accueillait. Seulement quoi, on craignait que quoi, qu'il va y avoir de la chaleur, que ça risque de tourner, de flétrir, de devenir un peu noir. Alors qu'est-ce qu'on faisait pour ne pas que ça arrive? On les mettait dans des gigiot, pas des caisses en or. L'or, il est de nature plus froide, d'après ce que je comprends. Et il a l'avantage de veiller à ce que les fruits ne tournent pas. Les feuilles ne tournent pas. D'accord? Pourquoi est-ce qu'il fallait le faire? Parce que pourquoi il fallait les mettre dans ces boîtes en or? Afin qu'ils ne vont pas flétrir, devenir noircir. D'accord? Ça, c'est le premier avis de Tanakama. Il y a maintenant une phrase de Rabbi Yochanan ben Broka assez spéciale, qu'elle n'est pas claire où la situer. On va d'abord la traduire, la comprendre telle quelle, et puis après, on va expliquer exactement, il y a deux manières de la lire. Rabbi Yochanan ben Broka, Omer, Rabbi Yochanan ben Broka enseigne. Chariot shel dekel ayumevin. On apportait des branches de palmier, de dekel, le palmier ayumevin. C'était ça ce qu'on apportait. Vechovtin otan bakar, ka, betsida misberg. Et on les chovtin, c'est les jeter à terre, on les frappait au sol, sur le sol, à côté du misbéach. Donc toi, yom nikra yom chibut chariot. Et ce jour-là était appelé le jour du chibut chariot, le jour où on frappait les branches de sol, de palmier. Ils ne sont pas de palmier. Donc en fait, je reprends maintenant. Rabbi Yochanan ben Broka, il me dit, on ne sait pas exactement où le situe en fait. Il me dit juste qu'il y a une mitzvah, comme ce que Rabbi m'a dit de faire avec le sol, avec la sole. Alors Rabbi Yochanan ben Broka me dit de le faire avec des branches de palmier.
pas des loulav, des chariotes qui sont déjà ouvertes. Il fallait les apporter. Donc apparemment, en fait, ces branches substituaient les branches de sol. Donc il fallait prendre des grandes branches de palmier et les mettre sur le misbéar. Et avec, donc, selon le cas, frapper le sol avec les branches de palmier. C'est comme ça la vie de Rabbi Chanan ben Broka. Maintenant, il y a une discussion entre, c'est étonnant de dire un peu, mais entre le Tosfot et le Tiferet Israël. C'est impossible à dire parce qu'il y a 500 ans d'écart entre les deux, d'accord? Le Tosfot, ça remonte à 800 ans, 800 ans, 900 ans à peu près, et le Tiferet Israël, il remonte à 150 ans, 200 ans, même pas, je ne sais pas exactement quand, mais après Rabbi Akiva Eiger, donc ça fait l'équivalent de 200 ans. Mais il n'a pas le droit de discuter contre Tosfot, mais en tout cas, pour le moment, je vais rapporter Tosfot. Tosfot explique d'abord que, selon Rabbi Chanan ben Broka, en fait, il y avait toute la semaine, on n'utilisait pas des feuilles de haravin, mais plutôt des feuilles de palmier, des branches de palmier. D'accord? Ça, c'était l'usage. Selon Rabbi Chanan ben Broka, ça se référait à tous les jours de la mitzvah de la haravin. En fait, le problème technique qui se pose, c'est que Rabbi Chanan ben Broka, il parle à la fin de Mishnah Vav, mais en réalité, on découvre en fait qu'il discute depuis la Mishnah Hey, et c'est un peu dérangeant le fait qu'il n'ait pas parlé plus tôt. Il y en a qui disent que non, au contraire, il a laissé finir, puis après il vient, il donne son avis. Mais c'est un peu dérangeant qu'il n'ait pas. En théorie, ça aurait été mieux de parler sur la Mishnah Vav, lorsque je t'ai dit Mizot Arava Keitzad, là-bas il fallait enseigner Rabbi Chanan ben Nouri, qui va me dire que non, tu prends pas de la sol, tu prends des palmiers. Ça, c'est la problématique du Pesach de Tosfot. Suite à ça, Tosfot ont eux-mêmes évoqué l'éventualité d'expliquer autrement Rabbi Chanan ben Nouri. Mais ils l'ont repoussé, mais Rabbi Chanan ben Broka, mais ils l'ont repoussé. Tiferet Israël, il prend cet avis et il le dit que c'est comme ça qu'il pouvait penser, apparemment qu'il avait trouvé d'autres génies qui expliquent comme ça. C'est qu'en réalité, on parle spécifiquement par rapport au jour, au septième jour de la Rava, qui tombe à Shabbat. En fait, en général, tu prends de la sol, tu prends de la Rava, mais lorsque ça tombe à Shabbat, il fallait cueillir les branches depuis la veille. Or, les branches de sol, on a peur qu'elles vont s'abîmer. On a donné des conseils pour faire qu'elles ne vont pas flétrir. Mais on préfère a priori éviter ça. Et ce jour-là, donc, je te demande de prendre à la place, la Chana Moshim Sinai, elle nous dit de prendre à la place des branches de palmier. Avec les branches de palmier, comme ça, elles sont plus fortes, elles tiennent mieux. Et donc, elles vont plus tourner. Elles vont plus se flétrir. Et c'était donc, selon cet avis, ça sort que c'est spécifiquement lorsque le septième jour de Soukhot tombe à Shabbat, qu'on ne va plus faire la Rava, ce jour-là, on va faire juste on va porter à la place des branches de palmier. Précision, en tout cas, on remarque que lorsqu'il a parlé à Rabbi Chanan ben Broka, il nous a dit qu'il fallait prendre les branches et les frapper au sol. Mais là, on nous dit que la mitzvah de la Rava, sur ça, il n'y a pas de discussion, en fait, que quand j'ai dit faire la mitzvah de la Rava, du Chibout à Rava, au Chibout à Riyot, en fait, je te demande de faire les mêmes actions, sauf qu'un il va te dire de prendre la sol, et l'autre va te dire de prendre du palmier. Donc de là, on dit en fait que la mitzvah de frapper au sol, on a qu'à frapper sur des objets, sur des kelim, c'est important tout ça. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov U'Sela.